Mon amboka maître Basile. Mbote basango ya Congo. Boni santé. Santé za malam. Lelo oyo monantse mi libanda isika uti yebanite. Impression nous ali ndenge tango yo ki monantse mazali amonani. Ah bon, en tant que congolais, en tant que mwana mboka, impression na biso za la ki malam mingi. Parce que tout ça n'a pas de connaissance belé, baloba qui est mandanté, babomaye, et ça n'a pas tout peu baloba publiquement dans un meeting na bango qui mandanté ma été tué, mais le lo mandanté mi abimi. Wanezali et singo, yakomona, mutu, nabiso, en tant que fils d'unia Congo, azongi et amonani, et ça et singo. Mais nakoye bisabatu lo komoko, mandanté mi, c'est nevadé. Mandanté makima na prison et lelo a monani. Acte o ya sali ezali acte moko o ezali ko faire fâcher la loi pénale. Donc kosonga na ye en principe mandanté mi il fallait azala na prison. Olimbi se mette o kokoba. Tango o koloba il fallait na lo kota li falase koloba ke. Ezatango esi eliki. Et comme déjà tout le bacar le bengi bolbacar français tard à qui le la ko yambo la topé koloba bosso loli bosso ya justice batanga bakamolaye tout ici le quoi ça mon essai qui faut vivre valer au moni en principe le ministère public il fallait se saisir malamo qu'on a dosé à mes mamans dans temi atinda eti na prison parce que c'est un évadé mandanse matika la consamba temi azala qui na prison tant au désordre de salamanga na prison abimaka. Mais ce qui est au tangi code pénal, na article 161, code pénal livre de article 161, et sengi na biso ke ba o nyon so ba kima na prison, na ndenge moko ya mabe, et que ba respecta mi be kote, donc ba evade, d'office so ki ba monani, ou bien ba zibango, il faut ba zonga na prison. C'est ça aussi l'état de droit, c'est respecter aussi les lois de la République. Mandant Semi, l'acte qu'il avait posé, et ça l'a dit que la loi pénale est là, fâchée, le loyo à mon ami, en principe, pour que tant qu'il y a option, il y a droit, en principe, il faut Mandant Semi à la prison, parce que affaire fâchée, article 161, code pénal livre D. Yo le coup la montabibé, quand on commence à kibazou, si basa le coup à l'anté. Et pour la sécurité, ça m'a dit que faible. Topé, beaucoup banga les sous sous mon anté, mais bâton, et bâton, et bâton, et bâton, et bâton, et bâton, et bâton, au moni, bisika na outi koloba, na outi ko faire éclairer opinion par rapport à une question de droit. Sur le plan de droit, lorsque un prisonnier abîmé la prison sans respecter la procédure, donc il est considéré comme un évadé. Lorsqu'il va couper d'office, il va en prison par rapport à l'article 161, code pénal livre 2, et je sais que va évader un nionso et que ce soit en possession de bango, va en prison. Ça, c'est le plan de droit. Ou tu vois que non, ce qui va simbi, ce qui va s'aller, il va refâcher Batou. Mais nous sommes aussi en politique. Mais moi, en tant que juriste, je donne l'avis aux Ezali par rapport au droit. Sur le plan politique, là je laisse à d'autres personnes ba ça là, ba appréciation na bango, mais sur le plan de droit, Mandant Semi est obligé de rentrer en prison ou le ministère public est obligé de se saisir d'office pour que ba s'il ça procédure na ye par rapport à nini. S'il faut ba libérer, c'est par rapport à procédure, mais ce qui ndenga zawana la procédure ezala qui respecté. Il faut azonga na prison. Tant que basali a monté, et que le bagage est sambo que zima kasite. Bon, mon ami a monani kalamingite. Tous allés na kati ya mboka na biso. Aujourd'hui, et ça sur le deuxième jour, toujours c'est la ministère public. Na yoka ki ministre intérieur. O azali AI a senga ki que batu ba za basala tupo et que service ya sécurité et se saisir na yé pour batin na prison. On a toujours zela, et ça te que non, justice est affaible te, mais toujours singa ki makambo et ki na molongo, na pesi point de vue nanga en tant que homme de droit et non en tant que homme politique. Parce que
ba homme politique ba zo pesa point de vue na bango mais ngai na faire kaka ko bimisa oyo mi beko mboka eza ko loba na mi beko ndenge esengi. Donc pour respecter la procédure, pour respecter aussi les lois de la République par rapport à l'article 161 code pénal évadé esengi ki ba évadé nyonso oyo ba salamaki atangi na ba époque songol to pakala sou ba en possession na bango ba zonga na prison. Succès à tenir, mais quoi, mon canne, il faut la respecter. Tout même ma question, là, si le plan politique était, s'il faut que tu aies un plan politique, bah, quoi, c'est un abattu nions. Et quoi, c'est un appel que battu à la famille politique n'a bango, bah, c'est un mot qu'on s'en boca. Ah, j'appelle acte négatif là qui va me sous, bah, mais ça y est. Oh, y'a bissan à peuple congolais, bah, y'a belo komoko. Au moni, ceux qui battent, bah, ça là qui habitué dans le système moko à ma bé. Parce que l'ingaba continue na yango eko simbate. Na koyebisa na peuple congolais bazola ndanga na minute oyo eke Mike Mukebayi na John Lungila bazali a mal de positionnement. Omoni tango ba constitue équipe ya presse présidentielle bande kona biso ba ndako senga lobbying po ba kota na kati. Po ba yeba ndenge nini ya ko vivre. Mais ba procéder makamba na bango se salama ki ba kokaki te ko côté puis pour comme place wana yango ba lobby pour ba faire entendre ou pour ba mi faire voir ba to ba yo ba ki bazali ne ba so le kana itando ike ko banda ko loba ba buzoba na ko yebisa na ba to nyonso le docteur Seleyema o yazali porte-parole ya INC na Vital Kamerhe o yazali mokonzi ya parti na biso to zali na tante. Tous allés na ta attend mukete pona kotina batu ba agresser batu. Tous en attend mukete poto kota na babuzoba. Parce que mutu azala ki agresser. Il fallait même la biso ba preuve. Là je parle comme un juriste. Est-ce qu'il a de preuve qu'il a été tabassé? Est-ce qu'il a de preuve que non il a été tabassé par les militants de l'INC? Ça c'est faux. Atika kokote sa lokuta. Soko ke ko senga musala. Soko ke ko luke loko place songolo zi angote kanga maboko na yo ngumba pe makolo na yo oluka banzela mususu to yebi façon na bango ba fonctionnaka baza ko luka ndenge ni il faut ba percer po ba yeba ke non la personne habilité o azali capable ya osala makambo malamu na mboka na minute ezali directeur de cabinet Vital Kamerhe bango bazolinga baloba po ba faire entendre bango tango ko citer kombo ya Vital. Allez, bamona ki ah mutu wala toyo kai, mais peuple congolais sa fongole miso. Docteur Seleyema o azali porte-parole cadre monene na INC azata na tante ya kotinda batu ba agresser mwana mboka oyo ndeko na biso journaliste azo le kanaba etando ike alo babilobela mwana mboka Mike Mukebayi na John Lungila. Toyebi façon na bango ndenge ba vivaka. Mike Mukebayi toyebi bien, toyebi pena mama na ye, toyebi makambo nyonso. Mama na ye toyebi tina ndenge akoma na église ya évangéliste Kabundi wa lesa. Toyebi makambo baloba toyebi makambo basali. John Lungila toyebi bien parce que c'est un monsieur qui venait à tout moment, qui appelait, il appelait docteur à tout moment pour lui aider. Attends, moi c'est à Botaki. Moi je suis témoin vivant oyo à tout moment Lungila bengaka pour na ko sungaye. Mais tant oyo zo le kana TV, ozo tinda batuba lo baba buzoba. Il faut otala sima ozo ngamutu. Biso dozana tante et boye baki à l'INC notre président Vital Kamerhe na ba autorité nyonso parti atamutu mokote azalaka noptique ya kokende na nzela ya mabe tokende na nzela malamu si foto landela yo tokende na justice et puis surtout ça la problème na justice c'est qu'on tranche. Nous n'avons pas le temps d'envoyer les gens pour agresser. Nous sommes au pouvoir. Est-ce que pour agresser John Lungila il faut lui envoyer des militants? Non.
on peut vous envoyer même des policiers. Il y a plusieurs services où on peut t'inquiéter par rapport à ça, mais nous, on n'a pas le temps de faire ça. Ce qui est boyaki ko senga ba poste, boyaki ko senga ba kanisa bino, place exacte, bofan na kimia, bosalama na bino, exacte bocha lokuta. Et puis, docteur Sélé, Azamu Tumoko, Pamba Pamba, c'est un monsieur loyal, il est intelligent, il est calme, bien éduqué, il ne peut pas entrer dans Bouzo Bahana. Tika lokuta tika muzoba et puis ce que moment où ba zuyote ba sélectionner yote c'est là que tant on a yo ba ko sélectionner yo puis on a tenté ya ko kende ko agresser ba et puis botika ko finga kabato botika ko finga ba autorité Mike Mukebayi c'est handicapé. Vous comprenez, tu es bien en ligne, voilà, là, n'est pas bon, n'est pas bon. Prochainement, on va donner des détails. Tu es bien fonctionnement là-bas, il faut voir le problème, il faut voir le problème, il faut voir le problème, après, il faut voir le problème, il faut voir $100, soit $200, soit $1000, au Kangamunoko. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, INC, nous sommes là, nous sommes là, nous par chef na biso ya parti na docteur Seleyemba mutata moko te azana tant ya kokende ko tinda batu pour ba agresser un individu o azan locataire azan de l'autre côté to ko beta e poto sala nini et puis parmi les journalistes ba sa ba mérité donc to zan attente au sa biloko wana to zan na minute to zan préoccupé na makambo ya mboka to zan préoccupé na biloko ya malamu pour peuple congolais lobby ayeba eloko nini akosala ayeba ndenge nini akoavancer na makambo na ye batu bayeba ke non Mike Mukebayi bazali ko interestre batu pour ba code sa batu virer sa mabe na mutu pour baloba ke non docteur Seleyemba cadre ya INC atinda ki ba militant ba beta ye non est-ce que pour ba militant ba beta mutu est-ce qu'il faut batu na bango Mike Mukebayi asa ba sodate asa pe lo côté atana makofi bo asa te ata John Lungila est-ce que pour na ko beta ye est-ce que pour na ko beta ye il faut ka batinda biso wane sa ba faux débat. Docteur Azamu Tumoko Azakoudouna Tate, c'est un conseiller, il est à tout moment au service des chefs de l'État, dans le service de l'État. Akoukoukendo Kozoa, tant y'a routine d'abattre ma bête au poisonine. Ça, c'est un faux débat. Tout ça pour avancer, tout ça on a pour nous servir Mboka, Batika Muzoba, ceux qui va sélectionner Binote, ndenge bo mesana ki kolia, ndenge bo mesana ki kosala Muzoba na bino, c'est fini avec ça. Biso to zoke ndili boso, si vous êtes compétent, on va vous sélectionner, si vous n'êtes pas compétent, on va pas vous sélectionner. Donc d'office, tout ça déjà ko kendeli boso na makambo ebele, Batika biloko na bango na tout ça sous fondant. Ilo ba souk ezalini par rapport à l'émission Alelo. Ilo ba souk esa boyo. Koya na biso na pouvoir ezali poto respecter mibeko ya mboka ezali pe poto respecter batu mais mutu nyoso oya kokende ala contre mibeko mibeko ikukangaye état de droit elingi pe koloba ete soki o respecter mibeko te mibeko wani kokangayo mutu moko te azali likolo mibeko na koyebisa na peuple congolais ba yebeloko moko. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, il est le cinquième président de la République. Depuis que nous connaissons le président Mboka Oyo, le président Mokote a présenté son programme d'urgence il y a 100 jours. Mais il s'est passé à la Mboka Nyonso. Mais le président Mboka a envoyé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant que le gouvernement soit là, il faut un programme d'urgence. Il faut un programme d'urgence. Et na kata programme wana makambo ebele ya malamu salami le 15 ba kopesa bino ba détails secteur par secteur ba médecin ba question na bango sa décanté ba nzela ezali déjà ko salama si 80% des gens salami musala ezali malamu ba tu bazolinga ba polémique na ndenge ebele biso za wana poto kende liboso. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info.
Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Félix et Antoine Tshisekedi sont jours pour séduire alors que son élection historique à la tête de la RDC n'arrête d'éblouir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, décide de mettre le boucher double en présentant son cheval de bataille pour le 100 jours de son quinquennat. Infrastructure, santé, éducation et le bien-être social. Félix Tshisekedi, plus que jamais au chevet du Congolais. Analyse, Félix Tshisekedi, mieux qu'un équilibriste et rassembleur politique. Luc Gérard Niafé, l'investisseur de renom qui a tout laissé pour servir la nation. Nehemi Mwilanya, l'homme, le mythe, l'immutabilité. Découverte, Denise Nyakeru Tshisekedi, la touche maternelle d'une femme des convictions. Valérie Kabamba Ruvunangiza, chef d'entreprise promoteuse. Nation, Jean Bosco Kayombo impulse les renouveaux de la SNEL. Focus, Prince Kokola, Kantitima, une intégrité et un nationalisme sans tâche. CNSS, Agnès Mouad Nawej, milite pour l'appropriation de la nouvelle loi sur les prestations sociales. Dossier Eshima, droit de la femme, le combat permanent. Politique, Fofo Kondi, un passionné de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Coalition Cash FCC, pénible décollage. Économie, code minier, l'héritage qui divise. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.